Salut à tous les gars, c'est Vinsky, c'est Raïm, c'est Nicolas et c'est Herman du Vinsky Football Club. Les gars, aujourd'hui, une nouvelle draft parce que ça vous a beaucoup plu. Et cette fois-ci, ce sera les meilleures cartes, Totti, Tots, tout confondu de l'histoire de FIFA. Pour commencer, Herman, mon coéquipier, comment tu vas? Ouais, ça va, hein. J'espère que t'es en forme aujourd'hui. Je suis en forme, Herman, t'inquiète pas. Et de l'autre côté, on a l'équipe noire avec Raïm et Nicolas. Comment vous allez, les gars? Ouais, nickel, il fait beau. Il y a eu un match hier, vous avez gagné, voilà. 5-0. Ouais, 4-0. 4-0. T'as marqué, Nicolas? Toujours pas. C'est pas grave, voilà. C'est pas grave. Il va peut-être marquer dans cette vidéo et débloquer des cartes. Je rappelle quand même rapidement le concept, il y a des cartes dans le but, il y aura plusieurs défis, on va frapper et débloquer des cartes. À la fin de la vidéo, c'est vous dans les commentaires qui votez pour qui a gagné la draft. Est-ce que ce sera l'équipe noire, est-ce que c'est l'équipe blanche? Moi je connais la finalité à chaque fois, mais c'est bien de ce petit espoir, ce petit running gag et tout, j'adore. On va voir les cartes parce que là, écoutez pas, on va voir les cartes. Le petit rituel, Herman, est-ce qu'il y a un joueur que tu veux absolument? Mbappé, hein. Mbappé, voilà, c'est... Franchement, on est obligé de dire Mbappé maintenant, c'est obligatoire. Et toi, t'es pas marseillais, toi? Ah ouais, non mais il est français aussi. Nicolas, est-ce qu'il y a un joueur que tu veux vraiment kiffer, tu veux absolument toucher? Ouais, peut-être Son, hein. Son, t'aimes bien? Ouais, Son. Donc, comme d'habitude dans cette vidéo, il va toucher Son et lui, il va toucher Mbappé. Voilà. Avant de commencer, on va le faire d'ailleurs dès maintenant, les capitaines, donc Raïm et moi, on va s'affronter dans un pervers ciseau en une manche pour savoir qui choisit le gardien. Bon, c'est quand même de très bons gardiens. 3, 2, 1. Ah non, excuse-moi, j'ai n'importe quoi. Oh, il m'a eu. Non, excuse-moi. Là, voyez, il m'a regardé pour savoir quel. J'ai pas regardé. Pierre, feuille, ciseau. Pierre, feuille, ciseau. J'ai gagné. Herman, en plus, t'es gardien. Ouais. On prend qui? Ah, Neuer. Neuer direct, ouais. Non, mais Neuer. Ça me va très bien, moi. Ok, les gars. Alors, d'ailleurs, je le rappelle avant que la vidéo commence, les maillots sont dispo dans la boutique et c'est dans la description. Maillot domicile, maillot extérieur. Voilà, n'hésitez pas à vous les procurer parce que ça sera des maillots qui resteront dans l'histoire. En retrait, oh là là, la croisée. Oh, c'est pas mal, ça. Oh la vache, oh my god, elle était splendide. Vraiment un youtubeur maintenant. Oh, il a fait quoi? Oh, content, un gaucher un peu comme moi, un peu de type arabique. Du coup, je peux zoomer sur la carte que tu visais, donc à l'opposé du but. De quoi? Son. C'est ça là, à gauche. Ouais. Let's go. Tonali 95. Ils l'ont fait un tout petit ça peu trop. Plaisir. Tonali, Tonali, Italie, Milan. Milan, champion. Hernandez. Non mais quitte à choisir quelqu'un au Milan, est-ce que les gens prendraient plus Tonali ou Hernandez? Je suis en train de réfléchir. Tonali, tous les jours. Il croit pas une seconde. Oh, c'est beau! Alors, genre, tu m'as fait briller Chelsea aussi? Bah oui, il y a Kevin qui a marqué, non, bravo! Non, bravo! Alors, Félix, les Portugais ne lui pas en vote! Balle mort! Une petite balle mort! Et c'est retour à l'envers! Ah! Il était magnifique! Oh oui! Oh, c'est incroyable, j'avoue! Je suis un bon joueur, je suis un bon joueur et quand je vois des beaux buts, je le dis. C'est le seul qui peut aller à droite en plus. Non, mais c'est pas sûr. Donc on est bon. On est déjà en train de dominer. Oh oui, Mehdi. C'est un traître, donc je vois pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils sont contents. C'est juste un joueur qui va marcher dans votre équipe. Hein. Arrête, c'est Messi. C'est insupportable. C'est insupportable. Pas obligé d'être gris. C'est Messi. Vous trahissez la nation? Ah là là. Moi je sais que mes frères français, les vrais français, les vrais français comme moi, ils seront contre ça. Ils seront contre ça, les vrais français. Petit point sur les joueurs qu'on a touchés. On a Tonali en MDC, italien Milan AC. On a Félix qui maintenant est à Chelsea. Et on a Messi, du coup Argentin PSG, on va pas le présenter. On est vraiment très bien parti avec un Neuer et Messi notamment qui vraiment sont très très forts. 98 tous les deux, partie des meilleures notes de la draft possible. Le poste le plus important en ce moment dans le football, c'est quoi? C'est les latéraux. Et on a déjà nos deux latéraux. Nous, franchement, on sait qu'on va faire une équipe correcte. Vous, vous allez encore avoir que des attaquants, je vous le dis. Vous allez voir, on se revoit à la fin de la vidéo. Ils auront aucun défenseur. Donc voilà, on y va. On parle beaucoup. Franchement, on n'a aucun BU pour l'instant, il dit ça. On a juste un AT. Ah, donc l'AT, c'est pas un BU. Donc quand vous allez le mettre en BU, tu referas cette phrase. Ah, t'inquiète pas. T'es piégé. T'inquiète pas. On aura un BU. Sur
compliqué. Mais c'est ça. Oh là, ah, incroyable. Ça frappe à la croix. Vous voyez la différence? Vous, bande de traite, vous prenez les Argentins, nous on prend les Français. Griezmann, les vrais Français. Hein? Griezmann peut jouer. Mais Griezmann, il peut jouer partout. C'est la carte parfaite pour ce qu'on veut faire. Du collectif et vraiment du jeu, du football. Donc là, on est bien, on est très bien. Oh, un bout de scotch. Et Marquinhos, ça aurait été génial en plus, on n'a pas de décès encore. Ça s'est joué à rien. Goretzka. Goretzka, c'est très très cool. Arsène, il a dit, il a 90 partout. Alors du coup, il est super fort. Il a 90 partout. Alors, on va se mettre d'accord. Plus par là, je suis gaucher. Ah, oh, c'était Cancelo. Alors là, il va nous dire c'est bien, il a un décès et tout ça. Pas se le cacher, Soule, ça rend pas du rêve. Toi, quand tu dors et que tu rêves, tu rêves pas de Soule. Moi, petit, je voulais trop devenir comme Soule. C'est vrai? Ouais. Ah, mais je pense que c'est pas le cas de rêve. Par contre, c'est un décès, il va nous. On continue à créer une équipe logique. Oui. Franchement, je suis super content parce que je commençais à avoir peur, étant donné qu'on n'avait pas de décès. Et là, on valide Ruben Dias, 94. Portugais, connexion avec Tonali. Non, pas du tout, connexion vois, avec Félix. Mais il est loin, donc je pense qu'on va pas vraiment connecter directement. Elle a rebondi sur le sol. Jeune recrue, jeune pépite, jeune pépite. Ouais, jeune pépite. Il y a que des pépites dans notre équipe. Il y en a un qui est au BVB, l'autre qui est on va là-bas, on va les laisser réfléchir. Ok, petite stratégie, on n'a qu'un seul défenseur. Du coup, on va vraiment la zone qui est par là. Il y a Van Dijk, Hernandez, Cancelo, Tomori. Oh, c'était Militao, ça aurait été incroyable, mais c'est le poteau. Ouais, magnifique. Alors là, ça va vraiment être le moment crucial parce que, voilà, vous avez sûrement des préférences dans la vidéo, mais en tout cas, il n'y a pas une domination forte. Là, il faut vraiment saisir les joueurs qu'on a besoin, Herman, pour construire notre équipe. Vous aussi. Ouais, nous, on a déjà notre plan. On parle beaucoup avec Nicolas, on est beaucoup dans la communication. Donc, on sait à peu près ce qu'on va faire. On va allumer. On va allumer. Moi, je suis là pour détruire. Excusez-moi, moi, j'ai des trucs à viser là-bas. C'est bon, hop, je peux y aller. Tu peux y aller. On sonne. Il y a Barre à toucher. Je vous ai dit que je suis là pour mon coéquipier. Vous les sonnez, on a le son. C'est Lewandowski. On n'avait pas de BU pur. Militao, il est comme ça derrière. Les gars, on fait quoi là? Le repli. Lewandowski, les gars, ça construit petit à petit. Maintenant, c'est défenseur, vous allez voir, ça va se construire. Il a touché. On a le capitaine de l'équipe qui va gagner la première ligue. Nicolas, il a une frappe sèche. Wow, c'était ça qu'il nous fallait, c'était le décès. Ouais, quel gamin. Pas loin. Oh oui. Oh, ces balles retombent trop vite au sol. Voilà. Il a tout détruit. On coupe, on revient dans 20 minutes quand on aura tout recollé. Allez, Herman, il est trop gentil. Jusque là. Oh là là. Van Dijk. C'est rendu Pedrahi, mais c'est touché. C'est Marquinhos. Marquinhos Prime, cette année. Meilleure saison de Marquinhos. Comme on avait prévu. Par Openda. Voilà, on fait notre équipe. On fait notre équipe comme on l'a dit. C'est impossible. C'est bon. Lui, il veut Je vais Mbappé. Il fait que détruire la marchandise. Mbappé, s'il est en bas. Oui, mais je sais, mais ça veut pas, il y a trop de fond. On commence à se dissiper, là, c'est pas bien. Coupez ça. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je crois qu'elle a touché. Non, jamais de la vie. Je sais pas si vous le sentez, là. Mais je crois que c'est le moment de Benzema ou d'Mbappé. Oh non! Ils voulaient un BU, ils ont la défense centrale, donc ça les arrange pas du tout. Koulibaly, ça c'est très très bon. Koulibaly.
Mbappé. Pour moi, c'est Mbappé. Oui, c'est Mbappé. Bravo, Herman. Fin du jeu. Je suis fair play. Pourquoi fin du jeu? Mbappé, Messi. Mais, vous gars, mais ces gars-là comprennent pas, ils ont zéro défenseur. Ils ont un défenseur. Non, on a repris Koulibaly. Vous avez pris Koulibaly quand? Ah, bande de. Ouais, en fait, vous, vous faites en sorte qu'on prenne tous les joueurs et après vous venez vous piquer au hasard. Oh. Ah, c'est Hernandez. Ils sont en train de nous escroquer. Quelle bande d'escrocs. On a acheté toutes les cartes. Mais en plus, on a les Hernandez mieux. Vous avez en face de vous la draft qui gagne cette vidéo. Parce que tout simplement déjà, le gardien, il y avait une chance sur deux d'avoir le meilleur, on est le meilleur, 98. On avait juste un dilemme. Est-ce que Goretzka, on le mettait en MDC ou est-ce qu'on le passait en défense? On a préféré le faire jouer en défense parce que comme on l'a dit, il est bon partout. Et avec Ruben Dias, ça va être impassable. Après à gauche, Hernandez, on n'explique plus, hein. Oui. Il est à 94, de l'autre il est à 95. Oui, oui, il y a un point décalage. Petite remarque. Ça ne changera rien. À droite, Koulibaly, ce n'est pas son poste natif. Effectivement, il a 84 en vitesse, et il fera le travail. Les grands joueurs savent s'adapter. Tonali, Brozovic en MDC. Pour le coup, là, ça va être très très fort. On regarde la vitesse, bien sûr. Hein. Voilà, vitesse, physique, 94 de physique. Ça, c'est parfait parce que ça nous permet aussi d'avoir un équilibre défensif. Parce que c'est que Messi, Mbappé, c'est pas forcément des joueurs qui reviennent descendre. Lewandowski en BU, Félix en soutien et Mbappé, Messi à droite. Les gars, en commentaire, votez Vinska, Herman, votez maillot blanc. Notre défense est beaucoup plus cohérente. Vous le voyez, on a un Hernandez beaucoup plus fort, 95. Un axe avec de vrais défenseurs centraux, pas un micmac de Goretzka qui est les trois quarts du temps à l'infirmerie, qui se retrouve en DC, il a jamais joué DC de sa vie. Et sur le côté, ils ont Koulibaly, nous on a Militao qui a déjà joué comme ça, et même en finale de Ligue des Champions, il a joué comme ça. C'est le vrai milieu de terrain allemand, c'est pas du Brozovic et Tonali, là on a Bellingham au max de sa forme, Kimmich qui est un des joueurs allemands les plus forts qui ait jamais existé, et Odegaard, c'est un peu la tour de contrôle d'Arsenal. Et c'est ça qui va tout dynamiser parce que sur les côtés, on a Son et Salah qui vont être nos vrais buteurs. Parce que Griezmann va jouer un petit peu en faux neuf. Parce que nous, sur les côtés, Hernandez, il va monter. Militao, il va monter. Odegaard, il va faire des passes. Ok, nous on va marquer des buts. Ils ont deux joueurs, Messi et Mbappé. Les mecs, on les voit pas sur le terrain. Donc, vous faites pas berner, regardez le football on à la télé. Mais vous Kimmich pas qui court. Écoutez pas les ils ont et, le choix. Et le dernier petit, ils ont le choix. Ils ont simplement le choix entre une aile, Son et Salah. Non, parle. Et Mbappé, Messi. Mais ils ont le choix entre une défense Goretzka, Koulibaly à droite. En tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Premièrement, c'est la deuxième draft qu'on fait sur la chaîne du Vinska FC. Encore une fois, likez si vous voulez vraiment qu'on continue parce que je pense qu'il y a plein de thèmes encore à faire. N'hésitez pas à nous dire qui vous voulez qu'ils fassent une draft aussi. Ouais, quel joueur vous voulez. Il y a plein de joueurs dans l'équipe. Dans l'effectif du Vinska FC. Et même des thèmes aussi parce que je demande pas souvent qu'ils inventent des thèmes, qu'ils proposent des thèmes. Si vous avez des thèmes, les joueurs les plus jeunes, les plus rapides, je sais pas. Bref, des idées comme ça. Merci beaucoup, Herman et Nico, surtout. Bienvenue et abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Merci beaucoup les gars. Salut. Journée au boulot.